Voici maintenant un enregistrement qui va démontrer l'usage de l'option « Mes blocs » dans Scratch. En fait, c'est une option qui permet de créer nos propres blocs, nos propres sous-programmes et qui fait ensuite l'appel de ces fonctions-là, l'appel de ces sous-programmes-là. C'est utile quand on est dans un programme qui est assez long, assez laborieux, qui peut être lourd si on met ça tout d'un bloc, par exemple. Dans ce programme qui traite du cercle et du cylindre, c'est un programme qui est vraiment long parce que d'abord, on met à zéro toutes nos variables, on initialise nos variables. Ensuite, on demande la mesure du rayon du cercle pour calculer le diamètre, calculer la circonférence, calculer l'aire du disque. Avec ça maintenant, on demande la mesure d'un angle au centre afin de calculer la mesure de l'arc, la mesure d'un secteur, l'aire d'un secteur. Puis finalement, on s'imagine qu'on est dans un cylindre avec ce cercle-là comme base, ce disque-là comme base, et on demande la hauteur du cylindre pour calculer ensuite l'aire totale. Donc, il y a possibilité maintenant de décortiquer ce problème-là avec des blocs, par exemple. Je vais créer un bloc qui s'appelle « Initialiser les variables ». Et je vais faire appel à ce bloc-là au bon moment dans mon programme de base. Donc, « Initialiser les variables », ben, c'est toute la partie qui est ici. Donc, toutes les variables que je veux mettre à zéro. Et je vais faire appel à cette fonction-là ou à ce bloc-là au début de mon programme comme ça. Donc, au moment où on clique sur le drapeau vert, le bloc qui est ici fait référence à celui-ci qui est à côté et il va vraiment faire tout ça. Ensuite, dans mon programme principal, bon, je mets la valeur de pi à 3,14, on demande le rayon et on veut calculer le diamètre. Donc, à ce moment-là, on pourrait créer un bloc diamètre qui est appelé au moment désiré dans notre programme. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour calculer le diamètre? Je vais aller chercher là, les blocs nécessaires. Donc, ça ici, ça permet de faire le calcul du diamètre en faisant rayon x 2 et ensuite d'afficher cette valeur-là. Et dans mon programme principal, maintenant, je viens placer le bloc diamètre au bon moment. Donc, quand on va être rendu là dans le programme, ça va faire appel à ce sous-programme-là. Même chose pour la circonférence. Donc, je vais me créer un bloc qui se nomme « circonférence ». Donc, je définis maintenant ce qu'est le calcul de la circonférence. Je viens le chercher, il est déjà ici. Donc, je fais 2 fois pi fois le rayon. J'aurais pu le calculer autrement aussi. Et je fais l'affichage de la réponse. Et finalement, je fais appel à la circonférence tout de suite après le diamètre. Donc, quand je vais être rendu ici dans le programme, ça va faire appel à ce sous-programme-là. Alors, on pourrait continuer comme ça pour toutes les autres sections, c'est-à-dire l'aire du disque, ensuite l'arc de cercle, l'aire d'un secteur et l'aire totale. À ce moment-là, mon programme principal va être moins lourd et il va faire appel à nos sous-programmes au moment désiré. Alors, voici pour l'exemple de création de blocs, de sous-programmes ou de l'appel de fonction dans Scratch.